Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo vlog. Et là, on se retrouve le matin. Il est 9h. Et je peux vous dire que c'est très difficile pour moi. Je viens de me réveiller. Alors, j'étais un peu dans le lit. Je vous ai pas filmé, mais j'étais un peu dans le lit. Et je suis un peu vadrouillée sur les réseaux. Un peu TikTok, un peu Instagram. Le réveil est dur. Le réveil est très dur. Hier soir, on s'est couché hyper tard. On a regardé un match de boxe. Je sais pas, mon chéri voulait absolument regarder un match de boxe. Du coup, on est allé chez mes beaux-parents, mais on est rentré à plus de 2h. Je crois que j'ai dû me coucher, il était 3h. Du coup, c'est très difficile. Très, très, très difficile. J'espère que j'aurai le temps cet après-midi de faire une petite sieste. En tous les cas, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous pensez du contenu. Une fois, je le dis souvent dans mes vlogs. Mais honnêtement, j'ai pas une vie transcendante, c'est une vie très 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 standard, très classique. Je fais pas des choses de fou. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochains contenus. Vous avez le bouton s'abonner en bas de l'écran. Vous pouvez également activer la cloche de notification, ça vous permettra de savoir quand une prochaine vidéo sort. Et je vous laisse également mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Ça affiche à l'écran si vous avez envie de me suivre là-bas, c'est avec grand plaisir. Là, je me suis levée tôt parce que je dois aller chez ma copine pour me refaire les cils. J'ai l'impression que quand je fais des vlogs, je fais toujours des vlogs quand je dois refaire mes cils. Mais c'est pas grave. Que là, c'est catastrophique. Catastrophique. Je les ai beaucoup perdus. Après, ça fait un moment là que je les ai aussi. Je suis contente parce que hier soir, du coup, je me suis lavé les cheveux. Enfin, hier, fin de journée. Du coup, j'ai pas besoin de faire ça aujourd'hui. Donc, ça fait une chose en moins pour la journée. C'est plutôt pas mal. Et du coup, ben, je vais me laver le visage. Je vous jure, parler le matin. C'est une horreur pour moi de parler le matin. Je fais juste une petite parenthèse parce que du coup, j'ai reçu une nouvelle montre de la marque Parsenvert. C'est une marque que je connais depuis un moment, avec qui je collabore. Ça fait un moment que je collabore avec eux. Du coup, j'ai reçu celle-là. Elle est trop, trop, trop belle. Vraiment une forme très sympa. Et avec le petit bracelet en métal et tout pour faire très classe. Je vous fais la petite parenthèse sur la marque quand même pour vous présenter le produit. Parce que du coup, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. C'est des montres connectées. Et j'ai l'autre modèle rond. J'ai ce modèle-là. Et j'ai aussi la bague connectée. Mais là, on va plus parler vraiment de ce modèle-ci qui est juste canonissime. En ce moment, enfin depuis que je l'ai, je la porte tout le temps. J'avais le modèle rond et du coup, ma mère en a vraiment profité pour venir me la shipper. Donc, je suis contente quand même qu'il m'ait envoyé celle-ci pour que je puisse quand même avoir une montre. Parce que du coup, je ne voulais pas lui dire non à ma mère, genre en mode bah non, tu la prends pas. Donc voilà, je vous laisse avec la petite partie vidéo qui est en collaboration avec Parsenvert. Où je vous présente du coup la montre et j'ai un super code promo. Comme d'habitude, ils sont hyper généreux sur les codes promo. Et je vous reprends tout de suite après pour me nettoyer le visage. Je fais du coup une petite parenthèse dans votre vidéo pour tout simplement vous parler de la marque Parsenvert. Cette partie de vidéo est en collaboration avec la marque. J'ai pu tester leurs produits sur des mois et des mois. Je vous en ai déjà recommandé une partie et vous étiez déjà nombreuses à avoir commandé, m'avoir fait des retours. Vraiment, j'ai que eu des retours positifs. Donc, ça me conforte encore plus dans le fait de continuer à collaborer avec cette marque. Parsenvert, c'est quoi? C'est tout simplement une marque de montres intelligentes, d'appareils connectés. Parce que vous avez des montres, vous avez également des bagues connectées. Je vous ai déjà présenté du coup une montre avec le cadran rond. Je vous ai présenté la bague intelligente. Et là, je vous présente du coup ce design là qui est juste trop 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 joli. Donc vraiment un cadran rectangulaire comme ça, vraiment trop beau. J'adore vraiment ce modèle là. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette montre intelligente? Ben, vous pouvez faire énormément de choses et du coup ça va être... pour moi, c'est un allié en fait au quotidien, je ne peux pas m'en passer. Quand tu n'as pas ton téléphone sous la main, en fait, tout simplement, tu te réfères à la montre. C'est vraiment ultra facile de connecter la montre au téléphone. Vous avez toutes les indications qui sont directement dans le petit livret qui est fourni avec la montre dans l'étui. Vraiment rien de compliqué. Moi, je ne suis pas très très technologie poussée, choses comme ça. Mais honnêtement, j'ai pas eu de mal à synchroniser ma montre avec mon téléphone. Donc si moi, j'ai pas de mal à le faire, je pense que vous pouvez le faire aussi. Ce que vous pouvez faire avec cette montre intelligente, c'est vous pouvez tout simplement recevoir vos appels et passer des appels avec la montre. Ça, c'est vraiment une option qui est vraiment géniale, je trouve. Vous recevez toutes les notifications. Ça, c'est à faire dans les réglages, mais vous pouvez recevoir toutes les notifications. Messages, Snap, Instagram, Facebook, peu importe. Voilà, toutes les notifications, vous les recevez directement sur votre montre. Donc, si vous n'avez pas votre téléphone sous la main, je trouve ça quand même bien pratique d'avoir ça. Vous regardez comme ça vite, rapidement, ce qui se passe. Hop, petit coup d'œil et vous savez exactement qui vous a envoyé un message, qu'est-ce que vous avez reçu comme notification
C'est hyper pratique et très discret. Ensuite, bah, vous avez un écran HD de 1,91 pouces. C'est vraiment un écran qui est très 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 grand. Regardez, moi je trouve qu'il est vraiment hyper grand, hyper intéressant. Vous pouvez totalement personnaliser le cadran. Donc vous voyez, moi j'ai mis un fond avec des roses. Ça fait très 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 esthétique, très joli. Vous pouvez mettre des photos, la photo de votre chien, la photo de votre maman, de votre papa, de votre enfant, vraiment ce que vous voulez. Ça c'est à faire directement sur votre téléphone, dans l'application. Vous pouvez ultra facilement changer le cadran. Ça va être vraiment un allié au niveau de votre santé, tout simplement parce que vous allez pouvoir surveiller plein de données de santé de votre corps. Notamment, vous allez pouvoir suivre votre fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, votre sommeil, les pas que vous allez faire au quotidien, les calories que vous allez brûler, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'indications de santé. Vous avez le suivi de plus de 500 modes sport à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un allié pour faire de l'activité physique, motivé à atteindre vos objectifs. Du vélo, de la course à pied, etc., etc. Enfin, je ne vais pas tout vous énumérer, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de modes. Vous pouvez également contrôler la musique avec votre montre connectée. Contrôler également la caméra de votre téléphone. Vous pouvez lancer un minuteur, chronomètre, etc. Franchement, c'est vraiment... votre téléphone, on dirait, en simplifié, que vous avez tout le temps sur vous, à votre poignet, c'est très pratique, très discret. Et on parle un petit peu du design qui est juste magnifique. Au niveau du design, bah, vous recevez la montre, vous pouvez choisir, je crois, la couleur au niveau du cadran. Vous avez plusieurs bracelets. Je vais vous montrer d'ailleurs des incrustes d'écran des différents bracelets. Vous avez soit ce bracelet que je trouve juste canon depuis que je l'ai. Honnêtement, je ne porte que celui-ci parce que je trouve qu'il fait très 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 élégant. Mais vous avez aussi le bracelet en caoutchouc, plus peut-être confortable, on va dire, même si je vous avoue que celui-ci est très 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 confortable. Je dirais vraiment que c'est mon coup de cœur en termes d'appareil connecté et je la trouve vraiment très 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 jolie cette montre. La batterie, c'est un truc de dingue, mais tous leurs appareils, c'est comme ça. Vous, là pour cette montre, vous avez besoin de la charger pendant 2 heures pour avoir une charge complète et ça va vous durer entre 7 à 10 jours de charge. Honnêtement, tout dépend ce que vous utilisez comme fonctionnalité au niveau de la montre, combien vous la sollicitez, etc. Mais moi, honnêtement, elle m'a tenu 1 semaine et demie facile. Je peux vous dire que je trouve ça génial pour une montre. J'avais d'autres montres connectées avant et je devais la recharger tous les 2 jours si ce n'était pas plus, comme un téléphone, on va dire. C'est un truc de dingue quoi. Donc là, je suis vraiment très 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 impressionnée de la performance. Bien évidemment, ils sont hyper généreux par Sunwear. Vraiment, j'adore collaborer avec eux pour ça aussi. Parce qu'ils me donnent un code promo qui est tout simplement bah, génial. Franchement, je ne peux pas rêver mieux pour vous. C'est un code promo de moins 50%, CAS50R. N'oubliez pas aussi, je vous laisse tous les éléments d'information en barre d'infos, que ce soit le lien vers le site, le code promo, etc. N'hésitez pas à aller voir. Donc la montre, elle vous revient à moins de 30 euros. Franchement, ça vaut grave le coup pour une montre de cette qualité, une montre connectée de cette qualité. Je vous assure, foncez. Je suis vraiment, vraiment très, très contente de cet appareil. Et comme dit, ça fait un moment que je collabore avec eux. Du coup, je peux que vous la recommander. Et voilà, j'en ai fini avec cette petite incrustation sur la marque Parsonware. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo vlog. Et je vous fais des bisous. On va se nettoyer le visage. Du coup, je prends mon gel nettoyant La Roche-Posay. Ça ne change pas. Ma copine, elle habite quand même en dehors de Strasbourg. Et j'y mets à peu près 25 minutes. Elle est vraiment Strasbourg à l'entour, quoi. Je vais juste passer un petit peu d'hydrolat de citron comme d'habitude. Ça ne change pas au niveau de ma routine de soins. Au niveau de la skincare du matin, je commence par... Enfin, ça c'est un peu nouveau, je suis en train de tester. Le produit de chez The Ordinary, vous savez, c'est la caféine solution 5% plus EGCG. Et en gros, c'est un contour des yeux. La texture est pas si mal que ça. Je le mets comme ça en général, directement. La texture est pas si mal. C'est une texture un peu pas huileuse, mais un peu gélifiée comme ça. Ça glisse bien, ça pénètre bien. Enfin, faut quand même bien la masser. J'ai vu des produits qui pénètrent beaucoup mieux au niveau du contour de l'œil. Par contre, je crois me souvenir que j'avais eu des très très mauvais retours et je ne sais plus si je l'avais déjà testé il y a un moment
ou peut-être quelque chose qui ressemblait mais d'une autre marque. Maintenant, je ne sais plus. Mais du coup, voilà, je me dis, je suis en phase de test. Donc, une fois que j'ai fait ça, je viens appliquer mon sérum qui est le booster, Super Booster Blemish Control de chez Elisa Jones que vous retrouvez chez Action. C'est un sérum au zinc et au niacinamide. Et j'adore la texture, j'adore ce produit. Bien évidemment, je pense que ce matin, je ne vais pas du tout me maquiller. Ouais, je ne vais pas me maquiller parce que j'ai pas le temps. Là, il est 9h09, j'ai pas le temps et j'ai la flemme. 9h09, il faut que je parte à peu près vers 30. À mon avis, c'est pas jouable. Ensuite, j'applique ma crème. C'est la Red Pepper Pulp. En gros, c'est un gel crème booster d'éclat de chez Herborian. Je l'avais reçu dans un coffret, je crois. Du coup, je prends une petite noisette parce que franchement, la texture est agréable, c'est agréable sur la peau, ça laisse un film qui est agréable. Mais honnêtement, je vois pas une différence de malade. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire. Mais moi, je trouve qu'elle est pas ouf. Elle est vraiment, vraiment pas ouf, quoi. Donc, je sais pas. Je trouve qu'en ce moment, j'ai un teint qui est vraiment, vraiment, vraiment pas ouf. Donc, j'ai repris les gouttes auto-bronzantes. Je les avais un peu laissées de côté, là. Mais là, j'ai repris parce que ça va pas. J'ai vraiment une tête. Je prends une pipette de sérum auto-bronzant. Donc, le Self Tan Facial Drop de chez The Beauty Deep que vous retrouvez chez Action. Là, à l'heure actuelle, c'est un peu difficile de mettre la main dessus. Moi, j'avais fait du stock. Mais si vous tombez dessus, vous ne l'avez toujours pas testé malgré le buzz qu'il a fait sur les réseaux un petit peu, trouvez-le parce qu'il est vraiment très 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 bien. Enfin, moi, je le kiffe. Voilà. Et du coup, ça ne bronze pas la peau directement, mais ça donne un petit hâle au cours de la journée. Enfin là, dans quelques heures, ça va me donner un petit hâle. Même pas. Dans quelques heures. Et... je trouve que ton teint est plus acceptable avec ça. Parce que je ne sais absolument pas ce que je vais mettre au niveau des vêtements. Mais je vais m'habiller vraiment très 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 chill pour aller chez ma copine. En plus c'est ma copine donc je ne vais pas faire d'effort. Ça je vous le dis. Et le truc c'est qu'après je dois rentrer. Je dois manger. Enfin préparer un truc pour le midi pour mon chéri et moi. Parce qu'il est toujours en arrêt de travail avec son pied. Là, il est parti chez le médecin. Peut-être faire une sieste ou quelque chose. Faire déjà une machine de linge. Faire une sieste parce que je suis morte. Et ensuite, plus tard, bah, du coup, repas du soir. Je vais voir ce que je mets en termes de tenue. Je vous ferai l'update de ce que j'ai mis. Et on se reprend tout à l'heure. Du coup, je vous ai repris. J'ai un peu ouvert mes volets et tout. Je vais juste me brosser les dents rapidement. J'ai mis un truc tout simple. Un col roulé tout simple noir, un pantalon de jogging, vous savez, les larges. Je vais mettre mes Hugs à plateforme et une doudoune. Et voilà quoi. Je détache mes cheveux, donc vous voyez, je les ai lavés hier. Ils sont nickel. Ça, c'est très 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 bien. Je mets ma montre, parce que là, je la quitte plus. Surtout comme ça, là, avec le bracelet en métal, je la trouve incroyable. Je vais mettre du parfum. Là, je mets les nouveautés, là, les nouveaux parfums que je me suis pris sur le site Star Parfum. Et je me prends là le Soleil Blanc. Alors, quand même que je vous montre de base, le Soleil Blanc, c'est un parfum de chez Tom Ford. Il sent tellement bon. Et celui de chez Star Parfum, putain, mais l'odeur est identique, quoi. Oh, j'adore. Pour un parfum qui coûte de base plus de 200 euros, je suis très contente. Et là, il me reste, mais quand je vous dis une goutte, c'est une goutte. Donc, je suis trop, trop contente. Vous voulez vous commander des parfums Star Parfum. Du coup, c'est un site qui fait des parfums, des dupes de parfums, vraiment des inspirations, des trucs très, très, très similaires, des vrais. Bah, du coup, je vous laisse le lien vers le site. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ce que je vais faire, je vais encore juste me mettre un peu de gloss quand même. Donc moi j'utilise le gloss de chez NYX. Le nouveau c'est le Fat Lip Drip Oil. Je trouve très bien. Du coup je vous prends avec moi. On va éteindre ça. Hop.
Et du coup, je vais mettre ma veste. Oui, mais il faut vraiment que je parte. Je vais faire un petit pipi. Je vais mettre ma veste. Je pars, je m'arrête chercher du coup de l'argent hein, au distributeur. Et je go. Et du coup, je pense que je vous reprends en fait quand j'arrive là-bas. Si j'ai le temps, je vous reprends. Et bien évidemment, je vous montrerai le résultat, bien sûr, tout au long de la journée. Je vais m'emmener quand même une petite bouteille d'eau parce que du coup, j'ai pas mangé. Et franchement, j'ai vraiment, vraiment pas faim là actuellement. Et du coup, c'est parti. Du coup, je vous reprends. Je suis arrivée un peu en retard. Je me suis arrêtée pour chercher un cookie. J'en ai pris un du coup pour ma copine. J'ai la dalle maintenant. C'est un truc de dingue. Du coup, petit cookie. Trop bon. Du coup, je vous reprends après. Crème félicite, etc. Je viens de finir, je suis dans ma voiture de nouveau. Je vais rentrer, je vais manger un petit truc, je vais me poser, faire un peu de rangement à la maison, essayer de me reposer un petit peu, ce serait cool. Je vous reprends une fois que j'arrive à la maison, je pense, pour la suite du vlog. Mais petite pause sur les cils, franchement je kiffe. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui disent oui, c'est beaucoup, etc. Moi j'aime beaucoup. Et j'en fais plus au départ, elle charge plus parce que ben, pour tout simplement que ça tienne le plus longtemps possible. Je les refais tous les 3-4 semaines. Donc forcément, plus t'en mets, plus ça va tenir quoi. Donc voilà. Pour le résultat. Mais franchement, j'aime vraiment beaucoup. Elle s'applique énormément. Elle a un travail de très 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 bonne qualité. Donc je suis très contente. Du coup, je viens de rentrer chez moi. Je vais vite faire à manger, enfin vite faire à manger, il n'y a pas grand chose à faire. Faire une salade verte pour mon chéri, comme ça quand il rentre du sport, il a directement sa salade à prendre et il se chauffe, il reste des briques. Et moi, comme je suis passée, j'ai pris un cookie, je me suis pris une bretzel aussi. Donc je pense que je vais faire un œuf au plat avec peut-être peut-être une brique, je ne sais pas, je vais voir. Avant de faire ça, je vais lancer ma machine. Ça va être plus simple. Parce que du coup, j'ai le linge à faire. J'ai déjà mis une partie dedans. Posez, même si vous allez être bas. Vous allez être un peu bas. Je mets du coup les nords. Les petites billes, les nords. Voilà. Du coup, je mélange le foncé et le clair. Donc, je mets un petit papier là, comme ça. Vous savez, c'est les trucs que je prends chez Action. Je vous en ai déjà parlé. Je lisse dans la machine. Ma lessive. Et je mets un petit bouchon de Sanitol dans le linge parce qu'il y a les affaires de sport de mon chéri. Et voilà, la machine est lancée. Ah, je vais aussi brancher ma montre parce que du coup, voilà, parce que du coup ma montre, elle a plus beaucoup de batterie. Je vais la brancher. Ça fait une semaine et demie que du coup je l'ai pas chargée. Donc franchement, grave bien. La montre est branchée. Là, je vais pouvoir faire à manger. Du coup, un truc que j'aime beaucoup beaucoup faire, c'est prendre du pain comme ça. Enfin, c'est pas du pain, des galettes. Je les prends chez Action. Bah, du coup, quand vous les ouvrez, il faut bien les refermer. Mais en gros, c'est une galette comme ça. Et en fait, je viens la toaster dans mon grille-pain. Et elle va être assez croustillante. Et après, vous mettez du fromage à tartiner. Moi, je mets du tresana et je mets du jambon de Parme à l'intérieur. Et je vous jure, c'est une tuerie. C'est trop bon. Je fais ça pour mon chéri. Comme ça, moi, je me prends une brique encore dans mon assiette. Avec, pour le coup, ma petite bretzel.
Le morceau de cookie qui me reste, ce sera peut-être pour le dessert. Et je vais vite faire la vinaigrette de la salade pour mon chéri. Comme ça, il a sa petite salade. Pour la vinaigrette, rien de plus simple, un peu d'huile d'olive. Je mets un peu de vinaigre balsamique, mais cette salade, elle est magnifique. Mon chéri, il adore cette vinaigrette. Donc du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive. Vous allez voir, c'est tout facile. Un peu de sel. Mon ingrédient fétiche et mystère, on va dire, c'est de la confiture de figues. Faite maison par la mère de ma tante. Donc je prends une bonne cuillère. En gros, ça donne ça pour l'instant. Et je rajoute de la moutarde. Là, vous prenez n'importe quelle moutarde. Mais la moutarde lisse, c'est meilleur. Elle est foncée, ma vinaigrette, mais je vous assure, elle est trop bonne. Le pain grillé, il ressemble à ça. Voilà, du coup, ma petite salade. Je la mélange surtout pas, par contre. Mon truc que j'aime de trop, la crème de balsamique. Et voilà pour la petite salade. En gros, pour l'instant, il a cette petite assiette-là et je lui fais encore son pain. Attendez. Je lui fais encore son pain, donc du coup, je l'ouvre. Du fromage à tartiner. Moi, du coup, c'est de la Trésana. Vous pouvez mettre du Saint-Mauré, du Madame Loïc, peu importe. Bon, après, vous garnissez comme vous voulez. Hein. Moi, je mets ça, mais vous pouvez mettre de la dinde, tout ce que vous voulez, en fait, clairement. Hein. Et le fromage comme ça, mon jambon de Parme, et je vais lui mettre deux tranches dedans. Facile, simple, efficace, rapide, pour pas se prendre la tête. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et là, tu fermes, et ça, il le mange comme ça. Du coup, voilà. Je lui chaufferai encore ses briques. Mais du coup, voici son petit assiette qui va aller au frais en attendant. Voilà du coup mon assiette. Elle ressemble à ça. Je vais vous emmener avec moi. On va manger. Mais je vais regarder la fin du film que j'ai regardé hier. Un film sur Netflix. Attendez, je vous donne le titre du film. La demoiselle et le dragon. Et du coup, j'étais à fond dedans hier. Bon, je vais quand même goûter avec vous pour voir si la brique est encore bonne. Bon, elle croustille un peu moins, forcément. C'est brique aux viande hachée. Trop bon. Enfin, hier soir, c'était trop bon. Après, ça sent bon encore. Mmh. C'est encore bon. La bretzel avec l'œuf, trop bon. Je vais me régaler. Je vous reprends plus tard, du coup je vais manger tranquillement, je vais regarder le film. Et je vous reprends plus tard et je vous ai pas dit mais je bois de l'eau. J'ai terminé de manger et je n'ai même pas pensé mais en fait ce soir j'ai une vidéo qui est censée sortir puisqu'on est un samedi. Donc ce soir, j'ai une vidéo qui est censée sortir. Je l'ai déjà postée, je crois, sur YouTube. Mais il faut encore que je fasse l'édition de la vidéo. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais me reposer un petit peu et je vous prendrai plus tard. Je reprends après avoir fait tout ce que je devais faire. J'ai fini le montage vidéo, post, etc. Tout ce qu'il fallait. Je vous ai aussi mis des références de la dernière commande Chine que j'avais faite. J'ai commandé 2-3 trucs. Du coup, là, ce que je vais faire, ben, je pensais que j'aurais le temps de me poser, mais j'ai pas le temps, franchement. Donc, je vais tout faire, être prête, comme ça. Après, ben, je me pose un peu avant de partir. Essayez de me redonner un petit peu plus bonne mine, parce que là, ça fait un petit peu peur, je trouve. Enfin, quoique, avec les cils de fée, ça va. Mais voilà. En plus, en ce moment, je suis pas ouf. Je me sens pas hyper, hyper bien, étant donné que je suis en période féminine. J'ai hyper méga mal au bide tout le temps. Je vais pas mettre de fond de teint, je pense. Je vais faire mes sourcils et je vais mettre un peu de poudre bronzante légèrement. Mais du coup, je vais rien mettre sur ma peau. En premier temps, je vais juste mettre un tout petit peu, une petite goutte d'anti-cerne. Je fais vraiment le maquillage rapidement avec vous. Juste pour avoir vraiment un minimum bonne mine. L'anti-cerne, du coup, c'est mon anti-cerne de chez Action de Max & More. Le Light Sand, c'est la teinte 104. Je viens l'estomper au doigt. Très léger. On va faire les sourcils. J'ai pas un ou deux poils à enlever là.
Donc c'est mon crayon de chez BH Cosmétiques que j'avais acheté ODM en Allemagne. Je sais pas pourquoi j'ai les lèvres mais gercées à fond. Là on y va à fond avec le baume. Un baume là universel nourrissant de chez Normanès. Une bonne couche de baume. Et on est parti pour les sourcils. Je vais quand même peut-être prendre un miroir, faut pas déconner. Je vais pas mettre de fond de teint pour éviter quand même de briller un peu. Je vais quand même venir poudrer légèrement ma zone T. Hop. Avec ma poudre de chez Action, la Berry Sweet. Je vais prendre ma poudre bronzante de chez Benefit, la Oula. Et on va venir juste réchauffer un peu le teint. Blush de chez Shein, le Don't Pink Twice. Il est complètement bousillé le mien, mais la couleur est trop jolie. C'est un rose ultra pétant. Et quand même un peu de spray fixateur pour que ça tienne, que les choses se mélangent entre elles. Le spray fixateur de chez Shein, le Lock and In. Bref, le spray là violet, il est trop bien, je l'adore. Je vais réfléchir à une tenue, je m'habille, je vous montre et voilà. Je vous montre rapidement comment je me suis habillée. En gros, j'ai mis un blazer kaki qui vient de chez Shein. La ceinture, c'est une des nouvelles que j'ai reçues là de chez Shein. J'ai laissé mon chical roulé noir parce que du coup j'ai froid et je pense que ça va très très bien aller. J'ai mis des grosses boucles d'oreilles là dorées qui viennent pareil de chez Shein. Petit pantalon, en fait je suis bien full Shein. Petit pantalon fendu sur le côté, c'est un jeans, il vient aussi chez Shein. Avec ça je vais mettre des bottes, des bottines avec une semelle assez haute. Je pense que je vais mettre un manteau beige pour casser le truc. Et je sais pas encore quel sac je vais mettre. Mais du coup je voulais vous montrer au niveau de la tenue comment c'était. Voilà. Du coup, je fais un petit tour en ville. Il faut absolument que je cherche un stylo pour les sourcils. Il me manque ça. Et voilà, un petit tour en ville quand même. Là, je vais rejoindre mon chéri du coup. Il est allé voir son cousin. Du coup, je le rejoins et après, on va faire un petit peu de trois magasins. Du coup, je suis passée au Kiko, au NYX. J'allais faire un tour chez Sephora, mais il n'y avait pas les références que je voulais. J'ai acheté à boire. Et là, je rejoins mon chéri chez son cousin. Et du coup, je reprends plus tard. J'ai pris de quoi faire un full face essence, comme ça on va pouvoir tester les produits. Enfin j'ai pris ce que j'ai pu, parce qu'il n'y avait pas de tout non plus. Mais voilà, contente. On vient de rentrer, du coup mon chéri m'a déposé à la maison. Et il va juste récupérer sa voiture, enfin bref. Du coup je vais commencer à préparer à manger pour ce soir, parce que du coup il est 19h. Je vous montre juste quand même rapidement, je vais peut-être enlever ma veste quand même. Dans un magasin alimentaire, mon chéri, en Allemagne, il s'est pris des barres de céréales protéinées pour le sport. Il voulait des fraises, donc il s'est pris des fraises. On a pris une petite barquette de sushis. C'est pour lui seulement, parce que moi, j'aime pas les sushis. Et j'ai pris une petite planchette comme ça de gyoza que je vais du coup chauffer, là. Je sais pas du tout à quoi c'est, par contre, donc j'espère que je vais aimer. Du coup, j'ai pris ça. Je me suis dit ça allait être bon. Pour ce soir, je fais ça avec des nouilles chinoises avec des légumes et un steak haché émietté dedans. Je vous avais déjà montré cette recette là, donc je vais pas forcément vous la redétailler. Je vais juste la faire rapidement. On a pris aussi deux lots de saucisses. Elles sont trop bonnes ceux-là. Saucisses fromage, je les adore. C'est celles d'Allemagne, c'est les meilleures. Et voilà pour ce que j'ai pris du coup dans le magasin alimentaire. Je vais juste mettre tout ça au frais. Je me suis pris un paquet de rasoirs parce que j'en avais quasiment plus, donc j'ai pris ça. Mon chéri s'est pris deux bouteilles comme ça de déodorant.
Et après, en termes de maquillage, alors j'ai pas tout trouvé. J'ai trouvé une base de teint pour contre les pores, pour faire le crash test. Du coup, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai envie de faire un test total, un full face essence, avec la marque Essence. Donc, j'ai le primer. Je me suis pris une genre de crème teintée, je dirais, avec un fini assez naturel, mais c'est ce que j'aime. Donc, j'ai pris ça. J'avais trop envie de tester un lip, un masque de nuit pour les lèvres. Vous savez, ça me fait penser vachement au masque de nuit de chez La Neige. Apparemment, c'est les meilleurs. Du coup, j'ai trop envie de tester. C'est un genre de baume. C'est un genre de baume. Par contre, il sent super bon l'amande. Bon, bref. Je testerai un spray fixateur hydratant fixateur. Hydro fixing. 48 heures. On verra ce que ça donne. J'ai trouvé, alors franchement j'ai galéré, il n'y avait vraiment plus beaucoup de choses. J'ai pris un anti-cerne que je connaissais pas parce que je me suis dit tant qu'à faire on va essayer un truc. Donc un anti-cerne, on verra ce pourquoi il est destiné, mais en gros c'est avec un petit pinceau, faut appuyer ou tourner. J'ai pris une teinte un peu, j'ai un peu regardé rapidement. J'ai pris un kit de contouring, donc avec la poudre bronzante et une poudre. J'ai pas trouvé de poudre pour poudrer le teint. J'ai pris un highlighter. Un blush, pareil, il n'y avait pas de, il y avait pas de choix en termes de couleur, donc voilà. J'ai pris un rouge à lèvres quand même et je me suis pris un crayon pour les sourcils. Et pour les yeux, j'ai rien pris étant donné que ben je mets rien sur mes yeux en ce moment vu que je fais des extensions de cils. Et s'il faut, je pense que je dois avoir une palette de chez Essence pour faire vraiment un total look Essence, on verra. Coucou les filles, du coup je vous ai pas repris après le repas. En gros on est vite allé chez le cousin de mon copain, on s'est posé et là on est rentré, il est un peu tard et je vais du coup tout retirer, me démaquiller avec vous et je vais me laver et je vais aller me coucher parce que je suis KO. Voilà, petit peignoir. Alors, je commence par me démaquiller. Du coup, j'utilise mon baume démaquillant de chez The Body Shop. Je l'adore, franchement, il est vraiment trop bien ce baume. Un de mes préférés. Donc, je prends un petit peu, je fais chauffer. Et j'émulsionne sur mon visage. Et franchement, le maquillage, il part hyper facilement. Et comme j'ai fait mes cils ce matin, je vais me démaquiller, enfin je vais rincer avec ça parce que du coup il ne faut pas mouiller les cils au moins pendant 24 heures. Le coton démaquillant que vous avez chez Action. Du coup je viens retirer le produit. Et du coup je vais pouvoir venir passer à mon nettoyant, c'est toujours le même. Celui de chez La Roche-Posay, le Effa Clair. C'est le meilleur aussi, franchement je l'adore. Je viens émulsionner et on passe. Là, je prends l'autre côté. Et je viens enlever le surplus. Je vais quand même passer un peu d'eau après. Ma lotion, enfin mon hydrolat de citron sur un coton. Vous pouvez l'appliquer directement à la main. Moi, je préfère le mettre au coton. Ensuite, on passe aux soins. Et là, je mets de nouveau mon sérum contour des yeux de chez The Ordinary. En gros, c'est le même que ce matin. Voilà, j'en mets un petit peu sur le dessous de l'œil. Et on vient appliquer. Ensuite, je mets
un sérum de chez Sephora. C'est le vitamine C plus E. En gros, c'est un sérum éclat, ultra glowy sérum. Il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle à l'intérieur. Ça fait quelques jours que je le teste et je le trouve pas trop mal. Donc, je prends une pipette. Pour l'instant, j'aime bien. Je vois pas énormément d'effets coup d'éclat. Mais je le trouve pas trop mal. Je vais en cliquer. Je viens appliquer ma crème. Donc en ce moment, pareil, je teste du coup la crème de chez Action. La The Skin Doctor, la crème à l'acide hyaluronique, céramide. C'est une crème qui est vraiment hydratante. Elle est vegan, elle est sans parfum. Et franchement, écoutez, je suis assez étonnée pour l'instant. Je la trouve pas si mal que ça. Ça fait pas très longtemps, ça doit faire quelques jours que je la teste. Et franchement, je la trouve pas si mal que ça. Hein. Elle hydrate bien, elle laisse pas de finis gras sur la peau. Donc vraiment, je suis assez contente. À la fin, je termine par une petite huile pour le visage de la marque Augustine Bader. C'est cette petite huile-là. J'avais reçu ça dans une box beauté. Je crois, ou dans un calendrier de l'Avent, je sais plus. En gros, c'est une huile pour le visage, mais je sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, je vous dirais honnêtement. Je sais pas, faudrait que je cherche ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, une huile pour le visage avec TFC8, je sais pas du tout. Bon, si quelqu'un a l'info, n'hésitez pas à me dire. En gros, par contre, je trouve le packaging ultra stylé. Faut appuyer sur la pipette pour prendre du produit. Mais franchement, j'en mets pas beaucoup. J'en mets quelques petites gouttes comme ça. Et ça va vraiment permettre de... j'en mets un peu sur mon visage. J'essaie quand même de bien éviter les cils. Parce que le gras, c'est pas bon pour les cils. Mais je trouve que c'est pas mal. Parce qu'en fait, ça vient sceller votre skincare. Vu que c'est huileux. Ça permet d'emprisonner et de faire un film occlusif sur votre peau qui fait que bah, les principes actifs, tout ce que vous avez appliqué avant, pénètrent bien dans votre peau toute la nuit. Et j'avais peur, je me suis dit, bon, si je commence à avoir des boutons et tout, j'arrête. Mais pour l'instant, ça fait pareil quelques jours que je l'applique. J'ai pas de boutons, donc je vais pas parler trop vite, mais j'ai pas d'imperfection. J'ai fini avec la skincare. Oh, j'aurais peut-être dû me laver les dents avant. Bon, je vais me laver les brosser les dents, je vais prendre ma douche et je vous reprends juste après, avant d'aller me coucher en fait. Du coup, petit déo, je me suis brossé les dents, donc petit déo, je mets encore une petite brume là, c'est une brume qui venait de chez Poupa. Un petit parfum de chez Action, toujours quand je vais aller au lit, j'aime bien. Sentir bon, et là ça sent le frais, les fleurs, le de côté sentir bon quoi, le côté un peu propre. Encore juste de l'huile pour les lèvres, et du coup je suis prête pour aller au lit, donc je vais couper le vlog ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochains contenus, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.